Alors voilà, on est dans notre chronique plein air avec Marcel Bouvoiture. Allô? On appellera ainsi désormais parce que char, ça se dit pas à TV, ça a l'air. Ça a l'air que non. Nous sommes dans la région des Hautes-Laurentides, à l'auberge Le Sportif et La Sportouf. Oui, on va parler de faire de la raquette. Oh, ouais. Ça se dit pas fièrement, une phrase de même. Non, c'est sûr. Pas le genre d'activité que tu proposes à une première date, OK? Non, c'est sûr, t'attends quelques jours avant de dire on va te faire de la raquette. Quelques jours, tu dis? Ouais, comment m'amener? La première fois que tu lui parles de ça, en principe, c'est en déposant des fleurs sur sa tombe en disant, ouais, finalement, on n'a pas fait, hein, ma vieille. Alors, les raquettes aujourd'hui, mais c'est pas comme c'était, c'est assez moderne, hein, tiens, ça se clip de même. Ben oui. Hein. Même pas besoin de faire haineux. Non, j'espère. Et puis, tu écœuries des estis de haineux. Ici, autour de l'auberge, il y a plein de sentiers pour aller faire de la raquette. Ouais. Il y a aussi des sentiers d'amis pour ceux qui veulent y aller à pied. Ouais, pourquoi on appelle ça un sentier damé? Eh bien, damé vient de Dammit. Okay, parce qu'il y a juste des touristes américains qui rentrent là-dedans. Moi, ils entendent crier au bout de 5 minutes. Dammit, it's fucking boring here, let's go back. Okay, mais faut dire qu'ici à l'auberge, il y a d'autres activités hivernales que la raquette. Ouais, ben, il y a de la trip. Ouais. On peut glisser sur des trips. Il faut que tu te blesses pas à peu près pour finir la glissade sur les trips. Non, non, des trips gonflables comme celles-là qui sont empilées ici. Okay. Regarde, tu vois les trips. Ouais, ouais, j'ai, Marcel, ça va être ça que quelqu'un qui rit pour rien, on n'ose pas y compter une joke parce qu'on a peur qu'il chie. Il y a aussi des départs de motoneige ici. Oui, effectivement, il y a ça. C'est moins mon truc, mais il y a aussi des pistes fermées sur les zones agricoles. Hein? Mais ils ont fermé comment, les pistes, ces zones agricoles? Oh, c'est des clôtures de broches, là. Et bon, une motoneige, ça va jusqu'à 180 km/h. Non, je sais pas. T'arrives d'une clôture de broches à cette vitesse-là, puis. Non, puis on parle pas juste la SQ qui te ramasse. Oui, moi, la police du Vermont puis du Maine aussi. Parce que moi, la motoneige. Mais c'est un mot efficace, motoneige. Oui. C'est de la moto qu'on fait dans la neige. Oui, c'est comme porte-clés. Aussi. Ça porte les clés. Ou analphabète. Ah, ben oui. Il y a une betterave qu'on se fait mettre. Donc, je suis plus pour les sports sans moteur, comme il y a la tyrolienne. La tyrolienne. Oui, c'est agréable, la tyrolienne. Tant qu'à payer, voilà, c'est une corde à linge, je me restais chez nous faire 7-8 tours de sécheuse. En tout cas, ici, c'est une auberge idéale pour le plein air. En tout cas, je m'énerve, Marcel. Le mot plein air. Oui. C'est, pourquoi plein air? C'est plein, ça, de l'air? Non, ça, faut pas confondre plein air et plein de l'air. D'accord. Comme dans la phrase, à la caisse du salon de coiffure, Gérald Filion se plaint de l'air qu'il a. En tout cas, c'est une auberge où est-ce qu'on peut faire du sport. Oui, bon. On peut le voir ici, le chabot. Oui, c'est vrai qu'il est bien fait. Dans le reste de la région, ici, on trouve surtout des chalets.